Jean-Pascal Zadi était le nouvel invité de Kian Kojandi dans son dernier numéro de l'émission Hot Ones. En évoquant la série Netflix En Place, dans laquelle l'acteur tient le rôle de Stéphane Blay, un candidat à l'élection présidentielle, l'animateur lui a dévoilé une vidéo dans laquelle un ancien chef d'État lui donne quelques conseils. L'année 2023 a commencé de la plus belle des manières pour Jean-Pascal Zadi. Depuis le 20 janvier, l'acteur et humoriste est à l'affiche de la série Netflix En Place. Cette fiction, si est-il lui qui l'a pensée dans les moindres détails. Il n'était pas seulement à la réalisation puisque Jean-Pascal Zadi incarne le rôle de Stéphane Blay, dont le personnage est central. Éducateur de quartier, il voit son quotidien bouleversé lorsqu'il apprend qu'il est l'une des personnalités favorites pour la prochaine élection présidentielle. Séduit par l'idée, Stéphane Blay se lance dans une campagne effrénée afin de devenir président de la République. Sur la plateforme de streaming, la série fait un bon démarrage, elle s'est longtemps classée en première position des séries les plus regardées. Un message d'un spécialiste de l'Élysée fort de ce succès, Jean-Pascal Zadi se disait même prêt à proposer une deuxième saison d'En Place. Clairement, je vois Stéphane Blay à l'Élysée, je veux montrer concrètement l'exercice du pouvoir, confiait-il au Figaro. Pour y parvenir, il aurait bien besoin d'en découvrir les coulisses. Invité dans Hot Ones, l'émission de Kian Kojandi, le réalisateur a eu l'immense plaisir de recevoir les conseils avisés d'un ancien président de la République. C'est François Hollande qui lui a adressé un message vidéo. Monsieur le Président, cher Stéphane Blay, je vais vous donner quelques conseils, vous les suivrez, ou pas, je vous livre une expérience, commence par déclarer l'ancien président. Le premier jour, prenez soin de bien raccompagner votre prédécesseur parce que, sinon, il vous en voudra toute sa vie, précise-t-il, en évoquant la rancœur de Nicolas Sarkozy à ce sujet. Météo, déplacement, François Hollande a conseillé l'acteur sur des événements qui ont bien impacté son mandat. Le conseil que je vous donne, si est-il d'être normal. Un message bien reçu, mais qui ne pousse tout de même pas Jean-Pascal Zadi à devenir président de la République. Bye.